Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de... Bon, bienvenue pour un épisode de Prince of Persia. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. C'est une suite directe, hein. Et on va aller à gauche. Oula. C'était un truc bizarre. La dernière fois, bah, on avait traversé une bonne zone. Hein. C'était perdu, mais on s'était retrouvé et on était mort, on a recommencé, mais on a retrouvé le chemin. Et là, bim. On a pu sauvegarder. Donc, on va continuer. Oh, le mec est caché, non mais. De toute façon, on descend. C'est ma faute, hein. C'est complètement ma faute, j'ai dashé sur lui. En plus c'est dans l'autre truc. Trop tôt. Pas descendre par là, bah on va descendre par là-bas. Là. Enfin, on va faire le tour. Il faisait pas ce bruit là tout à l'heure. Proto, je crois. Bon, j'arrête pas de mourir, mais c'est pas grave. Alors. Super, débilos. Bon, faut que j'arrête de... Faut que je sois moins con. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est bien ça. Ça augmente mes points d'amulette. Regardez. Et donc, je peux remettre un comme ça, par exemple. Ou essayer d'en trouver en acheter un deuxième ou un truc et mettre pouvoir mettre un plus 2. Ah ben bon, là, je pouvais pas mettre une amulette parce qu'il faut un arbre wakwak. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ok. Un ascenseur. Bel ascenseur.
Attends, je fais attention, je regarde s'il n'y a pas de trappe. Bon, bah c'est parti pour un boss. Enfin, un boss. Un truc des ténèbres. Ouais, on va pas s'approcher de ces merdes hein, parce que apparemment ça explose. Pardon. Ok. Sargon, est-ce que... Oh, je vois que tu es encore un peu déplumé pour entrer dans le gouffre des sables sans fin. Il va te falloir un peu plus de plumes de Simorgue pour briser les sceaux, pour rencontrer la plus sombre des âmes et gagner le moyen de sauver ton ami. Tu vas devoir faire preuve de courage et d'ingéniosité. Courage et ingéniosité? Écoute bien. Les ronces ont recouvert les feuillages. Un seul moyen, une seule arme, le courage. Des milliers d'arbres, un lieu bien distinct, où le voyageur tracera son destin. Et ? Un dédale du savoir. Dans ces allées sinueuses, les chercheurs vagabondent. Avec courage et ingéniosité, les réponses seront révélées. Je ferai ce qu'il faut pour sauver Hassan. Motivé, fougueux. T'es bien comme je pensais. Utilise ton œil machin chose pour trouver la prochaine plume de Simorgue. Quant à moi, je préfère ne pas être là quand les portes de l'enfer s'ouvriront. De quoi? Les portes de l'enfer? D'un autre côté, j'aimerais bien voir ça. Bonne chance, Sargon. Attends, le mec, il veut qu'on ouvre les portes de l'enfer? Utilisez une attaque chargée pour briser le sceau. Ah oui, mais il me faut un truc pour pouvoir avoir la stèle. Sûrement un nouveau pouvoir. Hein. Ça s'excite, mais... Et là, il me faut un nouveau pouvoir, apparemment. Parce que celui-là, ça marche pas. D'où les plumes. Parce que les plumes, ça donne des pouvoirs. Accès vers les profondeurs. Je t'accompagnerai si tu oses revenir. Regardons les allumettes. Les amulettes, pardon. Convertit une petite partie des dégâts encaissés en progression de la jauge et augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé du second est au maximum. Ouais, mais si je perds de la vie, ça sert à rien. On va mettre ça, en attendant. L'obscurité ne me fait pas peur. Ok. Toi, tu dis toujours la même chose. Trouver deux nouveaux pouvoirs du temps. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Déplacement rapide. Donc ce n'est point une plume. J'ai l'impression... Là, je sais pas, là, je vois pas. Où je trouve des plumes.
J'ai l'impression qu'ici il y a un chemin, donc faudrait que j'aille. Faudrait que je remonte en fait. Parce que ça sert à rien. Parce que ça c'est juste un chemin. Ici j'ai pas de téléporteur, ça c'est chiant. Je pourrais me téléporter ici pour revenir jusqu'ici. Et après refaire le chemin, aller là-bas. Pour peut-être avoir le sanglier ou je ne sais pas où il est, mais. Mais là je vais devoir remonter. C'est de la zut. Non, j'étais pas à côté d'un téléporteur ni rien, non, il y avait rien. Il n'y a pas de téléporteur. Tiens, tiens, tiens. Non, je dis de la merde. C'est le chemin normal. J'avais pas été. C'est pareil hein, tout en haut, mais je pense que en haut c'est la façon pour de descendre, je pense. Quand même, ils sont durs à tuer les phénix là. Enfin, pas dur, mais ils leur en fout quoi. Idiot bête, mais c'est pas grave. Pas mal de pièges hein, par ici. Et là, je ne peux pas. Ok, ok. Salut Sardon. Ah bah ça tombe bien, je vais acheter la carte. Prête-moi ton œil du vagabond. Comparé à Hollow Knight, elle est plus facile à trouver, je trouve. D'accord, donc. Ici il y a quelque chose, et là-bas au fond il y a quelque chose. Il doit remonter. Bah non. What? Vu que je peux pas passer par ici, à cause de mon pouvoir, il faut que je fasse tout le tour. Ici j'ai pas de téléporteur. Ah, je me téléporte, j'allais là-bas, mais je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Mais je dis des conneries. J'ai réfléchi, disons. Les plumes. C'est pas quand je tue un sosie. En tout cas,
On va aller jusqu'ici, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous... Non ? Salut, Sargon. Le temps a piégé des créatures dans des batailles sans fin. C'est dangereux par ici. Tu n'as pas peur ? Non. Bon, maintenant que t'en parles... N'oublie pas que tu es une aventurière qui trace sa propre route. Pas vrai ? C'est vrai. Alors, je suis monté alors que je voulais aller là. Non, ici c'est la porte fermée avec le truc. J'ai bien fait de monter. On va ouvrir à droite. Aïe, ah, je suis coincé. Pardon. J'ai toussé dans le micro et c'est pas très bien. Sauvegarde ma traversée. Et on est reparti les amis, allez on y va. Par contre je trouve que c'est pas ouf ce qu'ils ont fait leur système en me disant bah vas-y Le piège de dégueulasse. Mais le truc de... Excusez-moi, j'ai un petit souci. Alors, le truc de... Bon, maintenant, c'est à toi de te démerder. Cours dans tous les sens et puis va trouver des plumes. Ouais, enfin, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi, mais bon. Attendez. C'est quoi ce délire ? Je peux pas passer... De gueule. Ok. Faut faire le tour, monsieur dame. C'était là, hein. Si on va se prendre l'objectif, on va aller là, hein. D'accord. C'est l'objectif. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce...
Bien joué, débile. Les plus gros défauts du jeu vidéo ressortent quand c'est des trucs comme des phases comme ça. Au bout d'un moment, je veux me dépêcher et je fais n'importe quoi. Je sais pas comment j'avais passé ça. Ah bah non, j'avais peut-être pas passé ça. Je l'avais. Ok, j'ai débloqué le... Ah ouais, non, c'est ça, hein. C'est ça, je l'ai fait. Pas pour rien, mais... Maintenant, je fais comment pour revenir en arrière? Ah, j'arrive pas. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, débile ? Là, je peux pas monter, il y a trop de pics.
Je veux pas y aller par ici. Mais on est obligé. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Complètement de ma faute. Et quand je dis c'est complètement de ma faute, c'est vraiment complètement... J'ai fait n'importe quoi. Et parce que c'est pas tout, il n'y a pas que moi dans l'histoire. Lui. J'ai déclenché la fureur, enfin le truc, mais ça n'a pas marché. La super 1 et ça n'a pas marché, donc je suis pas le seul en toi. Il est mort. C'est lui qui faisait venir les monstres, non? Oh, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ouais. On y va les amis, mais ça valait le coup. Et je suis tombé. Je suis désolé, je vais faire un truc, mais... Allez, on est parti. On monte. Perdu de la vie, mais il s'est... à cause de son attaque, il s'est tué. Allez, on est parti. C'est bien joli, mais au bout d'un moment, il faut se mettre en route. En route. Pardon. On monte et on va à droite. Yeah.
Voilà. Ah bah, ça c'est cool, il y a un arbre. Et un TP. Et une salle, mais comment ça, je peux pas y aller? Peur. J'ai l'air vachement doué. Alors, que je dis pas de bêtises, ça, ça a l'air d'être, ça a l'air de remonter vers quelque chose. Vous voyez, entre la forêt et ici, je pense qu'il y a quelque chose. Et nous, notre objectif, c'est on descend. Ça s'est fermé. Attendez, on va faire une pause ici avant de faire des conneries. Forcément, hein, ici on peut y aller, hein, donc je vais devoir y aller. Raccourci, c'est important, monsieur dame. Ah oui, on avait dit par là on n'y allait pas. Ah, par contre ici il y a l'air d'avoir non. Il faut que je tienne bon la barre. Je vais dans l'endroit que j'ai dit, parce que sinon...
Moi j'adore ces jeux où tu peux aller où tu veux, donc forcément je veux tout explorer. Mais non, comme je fais une vidéo, il faut que... Il faut que j'aille là où on m'a dit d'aller. Ah! Par contre, je suis dans la merde. Vous voyez? Parce que là où je voulais aller, bah, je ne peux pas. Parce que la porte est bloquée. Je dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Mais on a fait tout ça pour rien. Et moi ça me... Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête parce que je dois changer mes plans. Il me saoule lui. Il va me tuer en plus. Du coup, comme dirait l'autre, bah du coup on va devoir y aller, hein. Je vais mourir. Bouge, bouge. Et je suis mort. Je voulais faire ma deuxième super, mais c'est pas passé. Ah, je suis mort là-bas. Par contre, je suis désolé, je peux pas vous passer. Une minute. Non, non, on va devoir s'arrêter, fait chier. Oh, on va s'arrêter là. On va se mettre là, ça va être plus beau. Alors, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je suis mort comme un caca. J'espère que ça vous a plu.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. En off, je vais aller voir la forgeronne. Je vais voir si je peux améliorer mon arme. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et ciao les amis.